Je ne comprends pas que 2 jours après, Manuel Valls continue de fuir ses responsabilités. Des fautes techniques évidentes ont été commises dans la manière dont a été organisé le maintien de l'ordre, ce qui a conduit les forces de l'ordre, avec un courage remarquable, à faire, avec des moyens évidemment insuffisants, le plus qu'ils pouvaient pour limiter les dégâts. Je n'accepterai pas le déni de réalité de la part de Manuel Valls. C'est la raison pour laquelle je réitère à nouveau aujourd'hui notre demande que des sanctions soient prises et qu'en particulier le préfet de police, qui était, si j'ose dire, à la manœuvre, soit démis de ses fonctions.